Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. La franc-maçonnerie s'est structurée au fil des siècles autour d'un grand nombre de rites et de traditions. Elle se décrit, suivant les époques ou les pays, comme une association essentiellement philosophique et philanthropique, un système de morale illustré par des symboles ou un ordre initiatique. Organisée en obédience depuis 1717 à Londres, elle prodigue un enseignement progressif à l'aide de symboles et de rituels. Elle encourage ses membres à œuvrer pour le progrès de l'humanité, tout en laissant à chacun le soin d'interpréter les textes fondateurs. Bien que ses pratiques et ses modes d'organisation soient extrêmement variables selon les pays et les époques, sa vocation se veut universelle. Selon un recensement datant de 2000, il y aurait environ 4 millions de francs-maçons dans le monde. Voici un graphique représentant certaines de ces loges, mais il y en a beaucoup plus. Certaines loges sont uniquement ouvertes aux hommes, d'autres uniquement aux femmes, d'autres mixtes. Toutes ces loges ont néanmoins un aspect philanthropique et d'ouverture à la jeunesse. La franc-maçonnerie a eu un très grand impact sur les sociétés terriennes depuis des millénaires, et le grand public commence à comprendre de quelle manière, même s'il a tendance à considérer cette influence de manière complotiste. C'est justement pour essayer de vous présenter différentes perspectives sur ces groupes qui sont souvent secrets et qui, par conséquent, laissent le champ à des tas d'interprétations qui sont souvent erronées, que j'ai créé la série des vidéos sur le Nouvel Ordre Mondial et les groupes qui sont impliqués. Si vous souhaitez prendre connaissance de la suite de cette vidéo, ainsi que toutes les autres vidéos créées spécifiquement pour répondre aux questions et aux besoins des sponsors de Space News et mises à leur disposition exclusive, ainsi qu'étendre vos connaissances du monde extraterrestre encore inconnu sur Terre et non présenté sur YouTube, cliquez sur « Rejoindre » sur la page principale de Space News et choisissez l'un des 6 forfaits.